Yeah. Our fall. Il y a la porte. La porte, si ça va, c'est petit. Donc, mâchons nos mots et faisons du bien. Ma fille, la parole te revient. Tu sais, on est, même malgré tout ça, on est comme ça. C'est à toi de dire, et c'est toi qui es amené dans cette maison. Hein? Bonsoir. Oui, effectivement, c'est derrière moi qui se ce sont mes parents. Vous savez que parfois, je fais comme celui qui est assis sur les fourmis. À tout moment, ça me démarche. C'est-à-dire, à tout moment, je me lève. Voilà ce qui se passe. Elle a dit ce qu'elle a fait. Il y a des gens qui nous disent. Plus dans notre famille, nous on ne parle pas de tout. Seule chose dans notre famille, c'est le respect. Donc elle fait textuellement pour nos ancêtres. C'est notre mère. Elle est une grande mère. Donc si elle fait ça, elle ne ressemble que à nos aînés. Je la remercie. Vous êtes venu, vous l'avez choisi. Vous voulez quoi maintenant? Excusez-nous, si je parle de vous, veuillez m'expliquer. Quelqu'un peut dire ce qui est de mieux. La famille, non, ce n'était pas pour le père, c'était pour le fils, la vie de voici. C'était donc normal que nous qui sommes les spectateurs, nous sommes venus accompagner notre fille, qu'on sache au moins que demain, on va aller retrouver en route avec telle personne. Hein? Nous, on a présenté Manu la poule, comment tout le monde a pu. Mais nous, on ne connaît pas pour qui Manu n'a pas pris le tarot. Mon fils a pris le cœur du ballon. Et comme vous avez ce qu'il vient de dire, la cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie très brève. Comme vous l'avez dit, prendre une grand-mère chez vous comme chez nous, ça pèse aussi également. Mais ce n'est pas les histoires qu'on traite en public. On ne traite pas les histoires en public. Comme nous avons tous, on a déjà compris que Manuela et Gabriel vont faire quelque chose de sérieux qui réunit nos deux familles, nous allons nous retirer. Et après, on va dire à la famille, voici comment vous allez procéder. On ne peut pas dire en privé ici que vous allez procéder de cette manière. Nous avons déjà appris que vous êtes là. Et nous avons unanimement accepté votre présence. Et comme notre fille a accepté que vraiment c'est moi qui vous ai amené ce jeune homme ici, nous allions derrière notre fille. Parce que c'est elle qui doit nous guider. Elle nous a confirmé que non, c'est moi qui ai fait venir sur la famille ici aujourd'hui. Comme c'est la famille, c'est maintenant, ce n'est plus la famille, ce n'est plus l'affaire de Manuela et son ami. Pour féliciter d'abord nos enfants qui ont pris le courage et l'audace de nous réunir cet après-midi à Bafia sous le toit de M. Dombo. Seulement que je me lève pour une interpellation. Si ces deux enfants qui nous réunissent cet après-midi se sont assez amusés, ils doivent savoir qu'à partir de ce soir, je viens de Bafoussa. D'autres viennent, je ne sais d'où, de l'extérieur ou bien, je ne sais pas où. Je viens de Bafoussa. Ils doivent savoir que réunir deux familles cet après-midi à Bafia, avec voyage, risque, confiance et tout, n'est pas un amusement. Même pas pour s'amuser. Si vous voulez s'amuser comme les animaux, je crois qu'ils ne devraient pas nous réunir. Permettez-moi de vous dire que mon nom de ce voilà et elle m'a pris le courage de venir me voir avec ma
à nous. Donc je pouvais même, si j'étais gourmand, vous orgueillir, dire que vous êtes vous avez vu la famille. Mais je vous ai dit tellement que vous me voyez comme ça, j'ai une famille. Et que vous allez revenir. Donc vous voyez, si ils sont revenus déjà, ça c'est la deuxième fois. Ils reviennent, ils trouvent le monde. Mais la première fois, ils sont venus. Nous étions ici, peut-être au nombre de 7 personnes. Parce qu'ils ont trouvé que ceux qui sont à la maison. Mais ils sont revenus avec tout le monde comme ils sont venus, tous les parents. Ça veut dire que moi, pour moi, j'ai espoir, j'ai confiance. Et je me dis que vraiment, ils ne se sont pas trompés, que Manu aussi ne s'est pas trompé. Parce que la foi là, Manu a toujours dit que je l'ai compris. Il s'est choisi, elle a dit, excusez-moi. Vous savez, au village, on ne dit pas les choses comme moi, on casse. On casse toujours, sinon on ne dit pas. Bon, mais moi, c'est comme ça que je vis. Et peut-être c'est ce qui me sauve souvent. Parce que si tu me cries en cachette, je vais te dire qu'il m'a glissé. Donc je ne suis pas quelqu'un qui crie en cachette. Même si un bébé me dérange, je crie devant les gens. On m'accuse, on bavarde, mais je sais que j'ai fait au fil des gens. Je ne fais pas les choses sous la table. C'est pour ça que je trahis ce secret. Elle était ici. Elle était ici. Et j'ai demandé à ma fille que si maintenant tu amènes les gens chez moi et les grands-parents sont au courant, est-ce que c'est bien? Si peut-être tu dis que voici Gabriel, je serai avec lui. Et maintenant j'appelle les grands-parents. Tu ne viens plus avec lui, est-ce que c'est bon? Elle m'a dit non. J'ai dit bon. Donc je vais voir donc si c'est vrai. Il vous a ramené. Bon, et avec tout le monde. Donc pour moi, comme disait le papa Jean-Pierre, on n'est pas là aujourd'hui pour trop traîner. Bon, et je dis même la cola, vraiment, si nous sommes ensemble, si vous donnez cette cola, on rejette, c'est que nous sommes en train de vous rejeter. On va manger cette cola en discrétion. Ça ne concerne pas la dot ou la cérémonie prochaine. On va manger comme en buvant notre vin, on peut manger. C'est comme ça. Bon, mais moi, vous allez m'excuser. Il faudrait que Pierre, si souvent, se lève, il demande à sa fille de saluer la prière devant tout le monde, pour qu'on soit sûr que ce nous ne sommes pas en train de jouer. C'est toi qui vas nous dire qui est, qui il est. Alors, tu nous dis si c'est lui. Et quand nous on accepte, c'est une fois pour lui. On ne dit pas oui pour après dire non. Donc, réfléchissons avant de dire. Tu as réfléchi. Respect, c'est ça. Et puis, je vais revenir un peu pour la vie. Ça, c'est après ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache, qu'on est venu. On dit souvent, mais au contraire, nous n'allons pas très loin. On est venu faire du côté d'autre. Si on est venu faire du côté d'autre, dis-nous, c'est un peu. Faisons des choses en vrai. Faisons pas tout le monde à part où on va. On ne doit pas oublier, mais on doit marcher. La partie sérieuse commence. Oh, Jesus.
Je suis chaos, nous montre que le monde est méchant. Yo, yo, c'est le pied. Ah ouais, Rolex, c'est les mains. Y'a du Gucci, c'est le dos. Y'a du Vuitton, mais en haut. On est ce que je ne vends pas. Je veux goûter les gars, mais les gars. Je veux des liens, tout à diamant. Et je veux du Viva dans le gars. Je veux du Yo, yo, c'est le pied. Ok, Rolex, c'est les mains. Je veux du Gucci, c'est le dos. Y'a du Vuitton, mais en haut. On est ce que je ne vends pas. Ok, je veux goûter les gars, mais les gars. Je veux des liens, tout à diamant. Et je veux du Viva dans le gars. Moi j'ai quoi te fait manger, alors que j'ai charbonné toute ma vie. Tout ce que j'ai vu maintenant, j'ai muté depuis longtemps. Aujourd'hui je mets du Gucci, demain je mettrai des Céline. On dit que moi je suis Scama, alors que je suis dans l'ombo. Yeah. Ok. Be the star. Hey, hey. Be the star. Hey, hey. Je suis dans le buzz, but money ouais. Elle veut que j'la décaisse, plus la peine. Moi j'ai des pieds verts dans la caisse. Je veux du bénin, pas la S. Comportement, vie de voyou. Elle me trouve cool, à cause mes vêtements trop cool. Elle veut me faire amour. Ils veulent porter tout son bouson, mais ne connaissent pas le prix. Ils invitent tout sur ma personne, mais ne connaissent pas les risques. Yo, c'est une chasse à l'homme, et c'est moi qui joue la cible. Yeah. Mais c'est moi qui fais la cible. Pour eux, j'ai le portefeuille magique. Alors que j'ai charbonné toute ma vie. Tout ce que j'ai eu maintenant, j'ai mérité depuis longtemps. Aujourd'hui, je mets du Gucci. Demain, je mettrai du Céline. On dit que moi, je suis Scama. Alors que je suis dans l'homo. Je veux du Jojo, c'est le pied. Ah ouais, Rolex, c'est le mien. Je veux du